Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. Ça va les copains? Bah ça va. Va, ouais. Et ben voilà, on est tous bien, on est ensemble, j'ai dit on est tous pleins. c'est incroyable. Non, c'est que de l'eau. Voilà, on secoue les masques aussi pour les... Voilà, donc c'est que... Moi ça avec mon nez. Hein. Bah oui. C'est un mensonge, ils ne disent pas que c'est de la vodka à l'intérieur. Faut pas l'ouvrir. Il fallait pas le dire. Dès que tu l'ouvres, t'as une odeur. Pardon. Donc, nous sommes toujours avec Marnef02, hein, si vous voulez le retrouver sur TikTok, avec un micro qui marche, c'est encore mieux. Et vous pouvez aller le follow. Le follow sur TikTok. Le follow sur TikTok, mon cher ami. Suivre, oui. Je te... As-tu des questions? Non. Voilà. Allez. Et ben, bonne soirée. Bon, bah, au revoir. Vas-y. À demain. Par rapport à TikTok, est-ce que tu gagnes de l'argent avec tes vidéos ou pas? Alors, ouais, j'ai commencé la rémunération il y a très peu de temps, ouais. D'accord. Putain, et tu gagnes à peu près combien pour l'instant? Passage d'été. Pour le moment, ça reste purement professionnel TikToker. Mais est-ce que tu gagnes bien ou pas? Ça va. Ça va? Alors, attendez. Combien tu gagnes sur ton TikTok? Ah non, mais on peut pas comparer. Moi, ouais, c'est pas quoi, comparable. C'est, attends, c'est 1 euro. Bon, bah, ça reste très professionnel. Achète une baguette de pain, quoi. Et encore. Une demi-baguette, s'il vous plaît. Une demi-baguette. Ouais. Un beurre. C'est bien, c'est bien. Sans levure, bien sûr, sans levure. Du beurre, du jambon, c'est bon. Aïe, non, il y a pas assez. Ah non, alors, quel est ton plus grand rêve? Oula, mon plus grand rêve. Eh bien, mon plus grand rêve, à vrai dire, déjà que dans le monde où c'est qu'on est actuellement, bah, ça change un petit peu, hein, parce que bah, on n'a plus le droit de faire grand chose déjà avec le Covid, et puis que les mentalités changent un petit peu aussi, ce serait pas mal. Et qu'elles aillent vers où plutôt? Tu serais plutôt vers un monde comment? Un monde meilleur. Ouais. Bah, je veux dire, pas de pire, quoi. C'est le discours des Miss France. Ouais, c'est ça. Je Est-ce que tu es contre la guerre? Non, ça, je suis pour. En même temps, je suis passionné, donc c'est normal. Oui. Ah, ma vie. Oui, c'est vrai. Belle transition. Oui. Ah oui, belle transition. Ouais. Très, très belle transition. Bravo. Justement, tu es passionné par la guerre. Tu fais également des reconstitutions, il me semble, ça sert. Ah, je fais la guerre, souvent. Pas du tout. Moi, je fais plutôt des expositions dans tout ce qui est collège, école, lycée. Je fais des expositions, puis bah, je fais des défis. Lors des principalement du 11 novembre et du 14 juillet, donc je vais en uniforme dans mon village, puis bah ailleurs quand on me demande, et puis bah je suis en tenue, puis bah je présente des objets un peu à tout le monde, quoi. Et comment est venue cette passion? Alors cette passion, elle est venue de mon grand-père. C'est mon grand-père qui a commencé à me parler un peu du 11 novembre, chanter la Marseillaise, tout ça, et puis bah parler un peu de mes arrière-grands-parents, enfin etc etc. Et puis bah il m'a acheté un bouquin, plus un autre bouquin, et puis un jour c'était un objet, et puis bah après la passion elle a grandi de plus en plus, et puis puis voilà. Chez une autre, il y a d'autres gens ici hein, qui ont la passion des objets, mais c'est pas les mêmes. Ah non. Après ça dépend, hein, sur la Première Guerre mondiale, tu peux avoir des très gros calibres. Je crois qu'il a compris la note de mentalité. Peux-tu parler des calibres? Oui, bien sûr, par exemple, tu as du 0,7 mm. C'est pas super gros, mais ça fait très mal. Parce que faut dire que ça arrive à une vitesse aussi que... Ah ouais, et puis c'est meurtrier, je peux te le dire. Tu prends cher, quoi. Du 0,7 mm. Et est-ce que tu as d'autres passions? Oui, bien sûr, TikTok. Les serpents? Non. Non. Au contraire. Alors, justement. Non, ça va aller. Mais c'est... Hein? Justement, donc, ta plus grande peur, c'est quoi? C'est le serpent? Ouais. Ah. Est-ce que tu as d'autres grandes peurs ou... Bon, après, d'autres choses te font peur, mais sans plus, quoi. La fin de cette émission. Ouais, la fin de cette émission, bien sûr. Non, après, j'ai surtout une peur, mais c'est plutôt intérieurement, c'est la peur de l'abandon. C'est tout. Voilà. Si, on en parle... oui, si. Non, mais j'allais dire un truc, mais c'est... Oui. Bah, vas-y. Souvent, ça débute sur l'âge de 3-4 ans, cette ouais. Peur de l'abandon. Alors, je ne savais pas que ça restait, mais... Par moment, je pense que c'est un état d'esprit... d'accord. C'est très, très chiant à vivre. Je ne pourrais pas te le faire vivre aujourd'hui, du coup, cette peur. À part le serpent, mais on attend le... Après, comment se passe le déroulement des enregistrements de tes vidéos TikTok? Combien de temps ça te prend? Alors, on va dire à peu près, je prends souvent quand je suis en week-end, le samedi après-midi, je me calme mon après-midi, et à peu près, allez, en 4-5 heures, je fais à peu près 300 vidéos TikTok, et que je publie... 300 vidéos TikTok? 300? Ouais, environ, c'est pas beaucoup, mais... J'ai une question, parce que je sais que tu fais aussi des TikTok pendant le taf.
Qu'est-ce qu'en pense le patron? Ah mais c'est toujours dans les heures, c'est qu'on fait rien. Donc, c'est quand le patron n'est pas là. Hein. Parce que le patron, à un moment là, il est au courant de ta chaîne, mais il a peut-être pas toujours été au courant. Petite anecdote, ce matin, il me dit, il vient me chercher, puis il me dit, j'ai regardé ton compte TikTok hier, et il y a une vidéo qui m'a plu. Donc j'attends qu'il me dise laquelle, et il me dit une vidéo avec un lapin, non avec un oiseau. Toute la matinée, toute la journée, même pour venir ici, il m'a pas arrêté de me parler du oiseau. Donc. Ah oui, c'est le où tu reprends. T'es pas derrière un bureau? Oui, si. Ah oui, oui. Ah. Si, mais je. Le patron aime bien en tout cas. Le patron aime bien, donc. C'est donc, validé voilà. Par le patron. C'est dans quel bureau que tu es? C'est le mien. Au boulot? Non, le ah, mien. Ah, chez toi, ouais. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé, parce que je viens d'y penser, tu as fait fureur, entre guillemets, avec. C'est là que ton compte a démarré, avec Sans Prétention. Mais Sans Prétention, c'est une musique. Oui. Donc c'est cette musique-là, on va quand même la faire écouter à nos auditeurs. Si ça veut bien. Ça veut bien, oui. C'est ça? Ouais. On va l'écouter. Marco aussi en a fait, Marco qu'on a reçu la semaine dernière. Ah, on a toujours oui, bien sûr. Oui. Chronologiquement. Bien sûr. C'est pas facile, hein. Donc on en a beaucoup parlé avec Marco. Ouais, beaucoup, ouais, tout à fait. On ne survanivette, je vois si vous l'êtes. En plus, j'aime qui. Ma promo d'aujourd'hui, être entouré d'amis. Mon piano à mon sel, je me sens pousser des ailes. À l'entraîne, moi j'aime bien. Hein. Ouais. Vous connaissez? Quelqu'un. Est-ce que vous connaissez autour de la table? Non, je connaissais pas. Sérieux? Non, je connaissais pas. Que en regardant les vidéos de. J'ai vu la vidéo de Marnef. Pourtant, je t'assure que Angela Merkel la connaît. Hein. Mais est-ce que Nivek connaît Angela Merkel? Eh ben non. Eh ben non. Même pas. Mais justement, en plus, pour cette vidéo, tu commences à danser et après, ouais. T'es dans le tracteur, c'est ça? C'est ça, en fait, je fais un peu de tout. J'ai fait à plusieurs reprises cette vidéo-là, j'en ai fait à peu près 3-4. Et les 3-4 ont percé d'ailleurs. Et puis, c'est en gros une petite histoire. C'est une petite histoire. D'accord. Et donc tu disais que tu faisais 300 vidéos TikTok le samedi après-midi. Ouais, à peu près. Et après, tu publies tous les jours ou... Alors normalement, par jour, j'en publie environ 3 par jour, selon à l'heure que je me réveille. et à l'heure que je vais me coucher. Surtout. Une matin, une midi, une le soir. C'est ça, tout à fait. Et puis donc je les publie tout au long de la semaine et puis voilà. Ah. Même tout au long du mois, quoi. Moi, je suis tranquille après. Que donc le samedi c'est jour d'enregistrement. Ah, samedi c'est TikTok time. Et donc les TikTok qui sont faits avec les arbres, tout ça c'est dans ton jardin, c'est... Avec les quoi? Avec les arbres derrière, ouais, la terrasse. C'est dans mon jardin, oui, c'est dans mon jardin. On est obligé d'expliquer aux gens et de donner un peu d'image parce que même s'ils voient les images, ils vont nous voir nous, ils vont pas voir les TikTok. Oui, bien mais sûr. Je rappelle. Le mieux c'est d'aller voir le TikTok Marnef02. Donc, allez-y, je vous attends. Le patron à TikTok. Ouais, boss. Ouais, mais bien sûr, il veut pas le montrer son TikTok. Hein. Il en fait aussi, hein. Mais, c'est vrai? Oh. Le boss fait des TikTok. Il en a fait qu'un. Ah mais c'est un bon début. Donc tu as initié le boss à TikTok. Ah ouais, bah il regarde souvent hein, quand on est à la ferme. Puis il y a pas grand chose à faire. Puis il est souvent hein. Putain, il a rien branlé encore celui-là. Alors là, je suis sur mon tracteur. T'as encore en train de faire un TikTok encore. Putain, ça va pas danser ça encore. Je vais demander de faire 25 hectares mais... Il a fait que 2, bah je comprends mais pourquoi hein. Oh, 25 hectares, c'est dur à trouver des gens par chez nous. Oui, non mais moi, j'ai aucune notion des surfaces moi. Enfin, pas ceux-là en tout cas. À part ouais, Pas ceux-là. On va couper court à tout voilà. Non mais voilà, on va putain, j'ai du mal. Ouais, bien sûr. C'est bien. On va. Tout de suite, c'est la pause, un peu de musique et on se retrouve à 20h avec Marnef sur TSO Radio. À tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.